Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Nous allons continuer notre aventure. Alors, nous étions un petit peu bloqués sur ce niveau de quête avec un petit peu de 10 niveaux de retard, il me semble. Donc, nous allons faire quelques quêtes annexes dans les prochains épisodes. En commençant par celui-ci, donc on va aller découvrir un nouveau pan du jeu qui devrait me faire gagner de l'XP. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que j'arrive à aller voir un petit peu les quêtes. Ce qui doit se faire avec X. Ok, alors. Est-ce que j'ai les bons personnages ici? Il n'y a plus Fiora, il n'y a plus... Ah non, Fiora, forcément, mais non, je suis con. Elle n'est plus là puisqu'elle doit... Ah, j'ai plus Charla non plus, mais oui, parce que mes deux supports sont en... Donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller faire des quêtes. Sauver Fiora. Quête d'ennemis première partie, alors celles-là on les a faites du coup. Hein. Celles qui sont comme ça, colonie 9... Première partie, défi 2. Alors on va les regarder plus que colonie quête. On va aller prendre des quêtes avec un petit peu le niveau. On l'a fait, ok. Super. Mais vous voyez, ça me donne 0 d'XP en récompense. C'est un petit peu le souci. 12 000 pièces d'or, mais 0 quête. Enfin, 0 XP. C'est un peu le souci. C'est chiant. Collecter des coquelicots. Ouais, mais là. Aide au réparateur. Village frontière. Quête de matériaux, on gagne pas d'XP. Là, on gagne de l'XP. Éliminer Morax le tranquille à la base de Naldia. Ah, bah voilà. 8000 d'XP, c'est pas mal ça. Peut-être commencer par celle-ci. C'est où exactement? Ok, par là déjà. Et on va aller voir la carte, parce qu'évidemment, je suppose. Voilà, vallée de l'épée. Ça devrait me dire où est la quête. Non? Ah, ça ne me le dit pas. Ah. Un petit peu embêtant. Écoutez, on va aller là. Zone de transit. On va aller là. Ah ben non, elle est là la quête. Non, c'est ça. Où est la quête? On va aller là et puis on va aller ici. Allez hop. On va aller voir où c'est que ça nous mène. On espère gagner de l'XP avec, mais ça ne me montre rien pour le moment. Ah, mais si, d'accord. Parce que ça ne me montre pas. Ok, donc on est loin. Ok, donc on va se téléporter. Carte. C'est ici, on va peut-être aller un petit peu plus ici peut-être. Non, c'est encore plus loin, ok. Là, on ne recharge pas la zone. Ah bah si, elle est là. Je l'ai pas vue. Comment ça se fait que je l'ai pas vue? Ok. Ah, c'est ça qu'il faut que tu tues, ok. Niveau 46. On est 49, ça devrait se faire. Même pas ça. C'est quand même pas juste ça qu'il faut que je fasse. Non. Il doit y avoir une colonnette quelque part. Attendez, comment je vire ça? Ok. Ah non, la quête est là-bas, ok. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, hein. Ok. On va tuer ça. Ça nous fera gagner un petit peu d'XP. Niveau 47 pour des niveaux 49, ça doit se faire, mais ça doit gagner quand même un peu d'XP, non? On va bientôt passer 50 pour tous les deux. Pour Shulk et... Et l'autre, Eriki. Si je pouvais taper, ce serait pas mal, merci. Ouh là là, je suis en train de crever. Hop. Je te soigne, s'il te plaît. Ok, merci. Je
Un peu de soin, s'il vous plaît. Non, ok. C'était un petit peu compliqué au niveau du soin. On est passé niveau 50. Ce qui est déjà pas mal. Là, niveau 48, ok, ça me va. On est 3 pour un niveau 48. Ça devrait se faire. Comment ça, résistance? Non. Alors, hop. Je pense qu'on devrait pouvoir le tuer. Ok. Ok, on l'a tué. On devrait avoir un bonus d'XP. Voilà. Hop. Je suis allé me renseigner hein, sur comment gagner de l'XP. Parce qu'évidemment, on va en avoir besoin. Ok, c'est lui. Ah, mais on avait déjà galéré. Oui, c'est ça. On avait déjà galéré. Ah merde. Ah merde, je me suis chié. Non, reviens là, toi. Aïe. Bah tant pis. De toute façon, c'est la but. C'est le but. Niveau 46. Je sais pas combien sont les autres. Mais ce serait pas mal de pouvoir les éclater, quoi. Ok, lui, il est combien? Niveau 45. Ok, je crois pas que ce soit notre quête, mais... Ah, on l'a OS, super. C'est lui, ok. C'est lui, celui de la quête. On les éclate là pour le moment, plutôt bien. Ah, niveau 49, ouais non, c'est lui la quête, ok. Bah alors, faut la soigner lui. Ok. Donc lui, c'est logique qu'il nous... Il nous agresse un peu. Allez, qu'est-ce qu'il y a à nous faire? Tir mortel. Ok, il le tue pas. Déjà ça. Ce serait bien de faire un ça. Backslash, toi tu peux faire ça. Et toi tu fais quoi? Restitue les PV juste avant l'évanouissement. Très bien ça. Ok, on ne se chie pas. Ok. 19 000. Not bad, en effet. Ah merde, c'est moi qui l'a pris. Moi qui l'a pris, ça ne veut rien dire. Ah, aïe. Fuck. Bah du coup, non. J'ai pas eu le temps. Hop. On va faire ça. Tac latéral. On va faire ça, je pense. Mais on va faire un ça. Même si j'aurais bien aimé. Ouais, pas fait beaucoup de dégâts là. On va soigner. On n'a pas gagné d'art hein, dernièrement. C'est dommage. Non, j'ai deux tanks et c'est Shulk qui se fait agresser quoi. Ah bah voilà, quête terminée. 5000 d'XP. Tout prendre. Ok. Alors ça ne peut pas gagner beaucoup. C'est... Ouais, c'est pas mal d'XP quand même. Qu'il va nous falloir là. 5000 d'XP. On avait gagné 7000 en tout. Ça nous a même pas fait la moitié d'un autre niveau. Aïe. On va aller voir les autres quêtes hein, de toute façon. C'est celle-ci. On a 8000 et 32000 de soins. Ça, ça m'a l'air pas mal déjà. Mais c'est peut-être un peu de... Ouais, ça doit être de notre niveau quand même. Suivre la quête. Excusez la vallée de la paix. De l'épée. La vallée de la paix, non. Et ça doit être pas beaucoup plus loin qu'ici en fait. Hein. Est-ce que c'est juste genre de l'autre côté là-bas? Ah, c'est peut-être le gros.
quoi, ça me dit que c'est par là-bas. On va aller voir sur la quête, sur la carte. Ok, c'est ici. Et ben on va aller là. Directement, dans la gueule du loup. C'est lui? Non, c'est lequel? Ah, c'est à l'intérieur. Ok, donc on refait le même style de quête là. Si j'ai bien compris. Unité assassine. On l'a vu, lui il va l'alerter. Si on pouvait dégommer lui avant, ce serait pas mal. Hop. Ok, les a... Merde, les a... Ah, il les a fait venir. Ça m'arrange pas. Ok, on va tous se focus sur le même. Et là, on va essayer de tous les toucher. Ah, j'en ai touché qu'un, merde. Ah, je voulais toucher tous d'un coup, mais malheureusement. Ok. Très bien. Là, ils sont déséquilibrés, donc on va le faire tomber. Et on va le faire chuter. Ok. Mais si Shulk pouvait avoir du soin, ce serait pas mal. Ils sont barrés. Ah, ils sont barrés. Pourquoi ils sont barrés? On m'explique. Bah. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi est-ce qu'ils se sont barrés? Ça sent pas bon ça. Non, ça change rien. Morax le tranquille. Il est exactement notre niveau. Hein. Ok, on les a tous touchés, super. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est que je trouve de quoi... Comment ça s'appelle? Augmenter nos arts. Il faudrait que j'aille faire les boutiques. Aïe. Prends cher. Le problème c'est que... Ok bah voilà. On va l'aider. On va se soigner. On va l'aider. Ok, aïe. Il va me faire quoi? J'ai très mal. S'il faudrait que je fasse... Je prévienne lui. Me soigne déjà. Merde, je peux plus utiliser mon truc. Ah, j'ai pas dû faire ça. Mais si, attendez, je peux faire ça peut-être. Ah non, ok. Non, je peux pas. Ah si, j'ai ça. Voilà, on va le... On va neutraliser son aura. Allez, copain. Oula. On va avoir besoin de ça. Non, le soin, ça devrait aller. En vrai, je crois que je vais faire ça pour éviter de prendre l'aggro. Toi, tu me fais ça. Voilà, ça c'est cool. Et derrière, ça. Voilà. Qu'on fasse un peu de dégâts quand même. Ok, là on va faire ça. Très bien. Et là, on va faire ça. Rikiki Yellow Pawn. Pas mal. C'est pas mal débrouillé là. On va refaire ça pour baisser notre hostilité. Hop. Ça m'a évité de crever. Ce serait pas mal. Ah mais il me met mal le con. Hein. Ah mais non mais... Fallait me heal là. C'est un peu le souci. Parce que là je me fais attaquer. Ah bah non. Ok. Et là on devrait le tuer. Très bien ça. Morax tranquille, quête terminée. Ok, on l'a eu. On va gagner nos 8000 d'XP. On devrait passer niveau 51, non? Non? Ah merde. Ok. Très bien. Ok.
ils ont le même. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est une nouvelle zone. Intéressant. Ok. Vraiment une partie d'exploration quand même. Ok, bon, on a fait les quêtes. Compétences, est-ce qu'on a des nouveaux trucs? Absolument pas. Partage de comp, là il y en a un. Mais là on peut rien se partager. C'est vraiment génial, mais lui il est déjà équipé. C'est vraiment cool. Ah, on peut prendre ça. PV, quand les PV sont à la moitié, la force physique augmente. Ok, pourquoi pas. Son char là il est pas là donc on s'en fout un peu. Et Fiora n'est pas là non plus, donc bah les steaks. Super. Hop. Il permet d'esquiver des augmente la défense physique. Non. Ok, la combinaison de nos personnages fonctionne vraiment très bien. C'est une blague. Ah, on peut prendre ça. Ok. Et les arts, est-ce qu'on en a débloqué? Mais non. Évidemment. On les a tous équipés, mais on n'a pas débloqué. Et on ne peut pas plus les améliorer non plus. Et de ce côté-là, non plus. Ok. Améliorer. N'utilise pas. Très bien. Il faut que je trouve des boutiques. Carte des zones. Île prison, non. On devrait trouver quelque chose de... Alcamote, non. Nécropole. Peu d'entités flottantes par les aliantes. Leur technologie est si avancée qu'elle demeure inconcevable pour les hommes. Ouais, on n'a pas exploré du tout. On devrait pouvoir trouver quelque chose, non. Une boutique... quelque chose. Non. Là, il y a une quête, par exemple. Bonjour. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Une mini-pole de Poppy veut plus sortir dehors. Vous pas dire pourquoi, il tremblote comme une petite feuille. Quoi se passe-t-il? C'est un véritable problème. S'il y a un problème, c'est le moment ou jamais pour en parler. Quand Millipone sort, sa planque dans cachette comme petit animal. Poppy aimerait promener Millipone et faire jolie balade dehors. Les enfants, c'est fait pour bouger et faire des bêtises. Écoutez, quand j'étais petit, on a toujours veillé sur moi. C'est temps pour que je rende un peu l'appareil. Rain est homme-homme plutôt sympa et aussi homme-homme plus beau. Mais pas facile tout seul. Alors parler à Amy et ensuite décider quoi faire. 1600 d'XP, ouais, pourquoi pas. Fils Poppy refuse de sortir chez lui, aller lui parler et trouver un moyen de lui faire mettre le nez dehors. Homme, vraiment trop gentil, Poppy tout bonheur, mais ok, Poppy c'est pas quoi, problème. Europom, Ricky, blablabla, très bien. Et du coup, on sait pas où c'est. Si c'est là. Pourquoi Barrel sort pas? Raison très simple. Quand Barrel problème, tout le monde attrape pour faire câlin. Mais trouve ça cracra. Si Barrel sentait mauvais, peut-être solution. Homme rapporte truc qui pue, s'il vous plaît. Ah. Bah j'en ai pas assez. Si j'ai bien compris. J'ai aucune quête. Ah, j'ai déjà gagné l'XP là? Super. C'est quoi le... Non, je... c'est ça l'idée, j'ai gagné l'XP là. Je suis où? Je suis Alcamote là. Genre l'extérieur. Et non, voilà. Trouver 5 roses éther dans les marais Satori. Ouais, mais c'est relou. Ok. On va pas faire ça. Parce que les marais Satori, c'est loin. À moins que ce soit là. Et non. Marais Satori, c'est pas là. Je n'en ai que deux. C'est super. Ah, mais il y en a plein des quêtes. Regardez-moi ça. Bon, on va aller voir les quêtes. Peut-être que dans l'eau, il y en aura des intéressantes. Allez, je découvre le monde. je fais enfin des quêtes au niveau 50. Alors, mes collègues m'ont aidé à réparer mon erreur au travail. J'aimerais leur faire un cadeau, mais je manque de matériaux. Pourriez-vous m'aider à trouver ce qu'il me manque? Gagne pas d'XP. On s'en fout, on va la faire, mais...
C'est un titre de monstre que trouve, j'utiliserai ensuite cet objet pour confectionner un cadeau. Ah d'accord. Mais si on tue un monstre, on va gagner l'XP. En effet. C'est tout à fait vrai ça. Si je pouvais avoir la carte s'il vous plaît, merci. Ok, j'ai loupé plein de quêtes. Bon, on va aller en prendre d'autres. En fait c'est chiant, on peut pas sprinter. Ah, il y a un repère, incroyable, on peut se téléporter. On pourra se téléporter à l'autre. Génial. Hello. Vous avez quelque chose à me dire? Hop. Un ami marchand m'a offert un cadeau, un objet rare. Je l'ai bêtement égaré et je m'en veux d'être aussi étourdi. Pouvez-vous le retrouver pour moi? J'y tiens beaucoup. Niveau 0 d'Alcamote. Ah. Quête. Info. Sabinan est garé. Ben voilà. On va faire celle-là. Ben voilà, on est juste là. C'est par là-bas apparemment. Mais il y en avait une autre. On va peut-être aller voir l'autre quête. Enfin, on va aller voir l'autre quête d'abord. Bonjour. Je vais souvent me promener sur la plage d'Anou. Lors de ma dernière balade, j'ai vu un affreux monstre. C'est un menace terrible pour les habitants. Vous pensez pouvoir faire quelque chose pour nous protéger? On verra. 50 000, c'est pas mal. Hein. J'ai aussi prévu le garde impérial, vous savez, mais ils mettent un temps fou à préparer leur mission. Ok. Est-ce que j'ai pas moyen dans mes... dans mes équipements d'avoir plus d'XP. Non, il va falloir qu'on fasse de la fusion hein. On ira chercher de la fusion. Hop, on va juste se téléporter pour aller plus vite à la quête. Je sais pas si j'ai pris le bon. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais. On va dire que c'est un tramway. Allez. On part sur ça. Ils ont quand même un don de voyance assez incroyable. Hein. On sait exactement où il faut aller. T'as un objet perdu? Bah, il est là en fait, regardez. Je sais indiquer sur ma carte. Ah non, on ne va pas lui ramener, ça c'est cool. Merci. Enfin peut-être de confectionner une arme, je ne sais pas. On va aller voir sur la carte. What is it? Avez-vous déjà entendu parler des banaches blancs? Les oreillers qui en sont faits vous font dormir comme un bébé. Les mains devenues rigides quand je les lavais, quel dommage. Je me demande ce qui s'est passé. Trouver deux panaches blancs. On a déjà un, c'est dommage. D'un énorme service. Je suis genre, t'as qu'à dire quoi, Eric, qui fait propre sans bavure. Ok. La carte. Non, y a plus de quête là. Ok. Enfin, en haut, je parle évidemment. Parce qu'en bas, on en a encore pas mal. On va aller voir ça. Bonjour. La défense aérienne d'Alcamos est en difficulté, alors je dois travailler très tard. Je ne vois presque plus ma famille et ils sont inquiets. J'aimerais offrir un beau cadeau à mon fils, mais je n'ai pas le temps de trouver de quoi en fabriquer un. Je sais que je demande une grande faveur, mais pourriez-vous me rapporter quelques pantalons d'Orluga? Ça va faire un beau cadeau, n'est-ce pas? Je n'en ai pas, et c'est 27 000 boulas. C'est ce que je vous demande beaucoup, blablabla. De toute façon, c'est pas dit que je te les donne en temps et en heure. Hein. J'ai bloqué mes compagnons. Ouais. Rip. On ne monte pas. On ne monte pas là. Hop. En plein milieu. Et au fond, il y aura un. Pour le moment, un croisement de main qu'on ne pourra pas voir.
Et une nouvelle fontaine d'espoir. C'est magnifique. Deux de nos amis se disputent sans cesse ces derniers temps, on ignore pourquoi, et c'est la triste la mère de l'une d'elles. C'est Ariel, j'aimerais lui rendre un peu de sourire, larme de sel. Et pour cela, quoi de mieux qu'un présent? Pourriez-vous m'aider à trouver des larmes d'étoiles pour elle? Ah bah oui, c'est fort malheureux ça. Bah y en a là. Larme d'étoile. Oh. C'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus. Hop, pas d'autres larmes d'étoile ici. C'est con. On sait jamais, on peut y aller, hein. Tête à tête. Personnage requis dans la formation. Ah bah c'est super ça. Bah bien. J'ai vraiment choisi mon moment de d'explorer moi. Y en a une autre là. Et bah allons-y. Toujours deux. Hein. Ça nous l'affiche même quand on sait pas, ça c'est cool. Enfin même quand on ne suit pas la quête en fait. Ah, on peut directement ouvrir le journal des quêtes, très bien. J'aimerais en priorité faire celle qui me donne de l'XP. Éliminer Sonny de l'éclair vers la plage d'Anou. On va la faire ça. Mais avant de faire ça, je pense que nous allons d'abord aller faire du. Bon, on va aller à la mine. Hein. Enfin, on va aller là. C'est ici. C'est la forge, ça? C'est quoi? Stand aux gemmes, voilà. On va aller au stand aux gemmes. Essayer de faire un peu de forge à XP bonus. Tu veux trouver les mini-réacteurs? Bah non. Prenez votre temps, allez-y, petit à petit vous y arriverez. Ouais, c'est ça, il faut que je trouve un mini-réacteur, moi. On en a des niveaux 4, là. Anti-paralysie. Cap terrestre. Un déplacement, ouais, mais c'est naze. Moi, je veux de l'XP, moi. Ok, y en a pas plus. Ah si, y a une page supplémentaire. Double attaque, anti-silence. Non. PV, déplacement. Récupération, défense. Force, PV, pulsion. Putain, y a pas XP quoi. Ah non mais. Auto-soin, vision. Ah non, ok. C'est génial. On va quand même faire des niveaux 4 peut-être. Hein. Mais j'arriverai pas à. Ok, non. Évidemment, on va faire un niveau 3. Non. Recommander. Vas-y, hein. Allez. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait vraiment, ça, mais. Donc ça grimpe. Y a rien qui grimpe, là, on est d'accord. Il y avait rien qui montait, là.
C'était d'une nullité sans nom. Alors en fait, faut peut-être augmenter juste. Ouais, non, j'ai pas. Éther 3, c'est peut-être Éther, hein. On sait jamais, on va tous les faire. Allez hop, on y va. Allez. Ça sert vraiment à rien. Hein. Ok. Bon, il sert avec Eudel. C'est super. N'oubliez pas de me rapporter un mini réacteur, mais je sais plus comment. Je vais retrouver mini réacteur. On va peut-être aller le chercher. Ça pourrait être pratique. Quête. On va aller voir colonie 9. Mini réacteur. Ah. La raison du repas, c'est quoi ça? Ah mais c'était notre truc. Nouvelle machine à gemmes. L'homme aux gemmes a dit qu'il a besoin d'un mini-réacteur pour fabriquer un fourneau d'éther mobile. Reconstruisez la colonie 16 pour 6... Ah bah d'accord, ouais. Ok, bon, on va aller en colonie 6 du coup. Comment j'atteins un niveau de reconstruction? Je ne sais absolument plus... Comment on est censé arriver à un niveau de reconstruction? Tchac à tchac. Trajet guidé indisponible. C'est dans sociogramme. Hein. Et c'est ça. Ah oui, non mais j'ai complètement zappé le sociogramme. J'essaie qui offrir un cadeau. Alors attendez, on va faire un cadeau. J'ai pas compris. Si je veux donner un cadeau, qui offrira un cadeau? Je peux pas lui donner. Ah, bah ils sont pas là. Et oui, ils sont pas dans le groupe. Voilà, ça augmente le niveau. Ah non, merde. Rat de caverne, non. Ok. Alors là. J'ai une potion conquête dans un bon steak. Bon, écoutez, j'ai pas tout suivi. Colonie 6, comment je fais? Comment je fais pour que la colonie 6 gagne en sociogramme? Village secret, voir cacher interface, sociogramme du groupe. Parcourir, habitant, zoom. Ouais, il y en a beaucoup, ouais, je veux bien, mais il est déjà niveau 1 en fait. Non? Suivre. Je sais pas. Ok. Alors là pour le coup.
Nouveau tutoriel. Cadeau. Ah ben voilà. On va aller revoir les tutoriels. Sociogramme. Voir le lien entre les personnages dans le sociogramme. Donner une attaque de sociogramme qui représente le lien entre les membres du groupe et les habitants. Si un personnage nommé mentionne un personnage déjà intégré au sociogramme dans une conversation, ils seront directement liés dans le sociogramme. Au fur et à mesure que de nouvelles personnes s'ajoutent, n'oubliez pas de parler régulièrement aux personnes déjà rencontrées. Depuis le sociogramme, vous pouvez inciter un de vos personnages à offrir un cadeau à un autre membre de la formation pour améliorer l'affinité. Super. Ok. Donc on va juste parler aux gens en fait. Comment je sors mon arme déjà moi? Je ne peux pas. Si voilà. Un niveau 17. Ok. Et gagner 50 d'XP. Mais ça vaut le coup. On a gagné plus en tuant ça qu'en tuant le monstre. Quête mise à part. Voilà, 9 d'XP. Ah non, 9. Ok, je sais pas pourquoi on a pris 50 d'XP. Vous avez rien demandé, le pauvre agent. Ok. On va peut-être pas s'amuser à tous les tuer. Où est la carte? Voilà, c'est par là-bas. Ah, mais oui! Il y a un milliard de machins, j'avais zappé. Ok, est-ce que je crève là, vous pensez? Moi je dis que oui, hein. Ouais. J'aurais dû sauvegarder. La paravoile. Y a pas de paravoile. Ok, ça va. Non, on va quand même sauvegarder, hein. Ok, il y a une sauvegarde auto, c'est sympa. Là, il y a l'ascenseur, eh oui. Bip. Je me rappelle, mais oui. Putain, mais ça date, hein, là, c'est la colonie 6 en vrai. Ça date un max. Ça date un max. Mais il y avait une quête en bas, donc on va y aller. Je sais pas ce que c'est exactement, mais... Là, il y a plein de petits stremons. Ils vont pas nous faire chier. Tombée de la nuit, merci. Hop, il y a un coffre. On va le prendre, hein. Et il nous attaque pas, là. Je suis sûr qu'il nous attaquait. Ouais, est-ce qu'on peut les tuer? Ça ne coûte rien, hein. Voilà, on tue les trois d'un coup. Et ça nous a gagné un petit peu d'XP. À coup de 9 d'XP. Non, c'était pas là pour la quête, c'était où? Plus loin. Bien vu. On va pas s'amuser à prendre le coffre par contre. Regarde, il a gagné 16 d'XP. C'est pas ce qui nous a coûté le plus cher. Hein. Non. Force automatique. On a préféré un sprint, mais... Ouais, ça coûte que dalle, là. Ouais, a coûté qu'un, merde. Ouais. 6 d'XP. Yes. Là, il y en a plein. On fait les 3 d'un coup. Victory to Ricky. Et là, il y a un truc pour la quête. Je ne sais pas ce que c'est. Licence de marchand de pont. Ah. Eh ben, je ne sais pas pour qui c'est exactement.
Mais ça me parle quelque... ça me parle. En effet, ce coup de la licence. Ah, il y a un machin en haut. Comment je fais pour y retourner? C'est un marchand en effet. Est-ce qu'il y a un téléporteur? Je ne sais plus. Non mais... on va pas s'embêter avec ça. Là on est dans les égouts. On remonte pas le bon chemin, je crois. Niveau 19, ouais. Pourquoi pas? Ouais, non, on remonte pas le bon chemin du tout. Ok. Donc chargé. Carte des zones. Colonie 6. Ah, c'est ici. Canal d'écoulement. On va se mettre ici. On va essayer de bah, d'y aller en fait à la colonie 6. Tout simplement. Plus que de passer par le canal d'écoulement. C'est par là-bas. Hein. On a la peine de gore là. Ah. 10 XP. Ah, vraiment que dalle. Hein. Et oui, mais on n'est jamais y allé en fait ici. Si. Si on a dû y aller, je suis même pas sûr. Non, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'on y soit allé là. Elle était pas fermée la porte? Peut-être. Ou c'est là qu'on devait tuer le. Ouais, non, c'est là qu'on a tué les. Les machinas, non? Enfin, les mécones plutôt. Ah, bonjour, toi. Ah, bah si, parce qu'il avait plus sa licence, et oui. Oui, c'est licence de marchand volée à Daza. Daza, c'est vrai qu'il pouvait compter sur Homs. C'est parfaitement bien passé. Mais non, pas là. Bien sûr que non, une fois lancé, de rien ne nous arrête. Il offre inévitablement cadeau en remerciement, tellement heureux qu'il trouve plus ses mots. Merci, merci. Ok, je ne sais pas de quand date cette quête. 320 XP, yes. Merci. Entente modifiée et carrément étoile marche. Mi, bonjour. Je n'ai rien à te vendre d'intéressant. Mais peut-être peux-tu me vendre des livres? Et oui, voilà. Lame pilon, c'est quoi? Ah, ils en ont pas en stock. Ah si, explosion de métal, améliore l'art de Charla. L'art de Rain. Ah, c'est que des arts de Rain, ça. C'est de la merde. L'art de Rain. On va en prendre un. Améliore l'art de Rain. Ah, ça coûte cher, hein. Et on va prendre l'art de Rain. Allez, vas-y. Non, un seul suffit. Ah, peut-être pas en vrai. Bon, c'est pas grave. Ah, ben bon. Et peut-être qu'un seul ne suffit pas en fait. Je suis con. Groupe. C'est les arts. Hein. C'est les arts. Ah, niveau max d'art accru. Ah, ben si, voilà. Lame pilon, berserk, dernier sursaut. Ah, ok, ça c'est cool. Percute d'acier, lame pilon. On l'utilise en plus, donc c'est super. Améliorer l'art. Ah mais ça coûte des sous. Ah non, c'est des PA. Non, non, c'est des PA. C'est pas pareil. Ça on l'utilise pas. Alors que dernier sursaut, berserk on l'utilise. Non, on l'utilise pas. Ça fait quoi? Non, qui améliore l'attaque au détriment de la défense. Ah merde. D'autre côté, aura qui augmente l'hostilité et attire l'attention ennemie. Le jeu spécial réduit les dégâts physiques. Bref, non. Berserk, c'est pas faux. Dernier sursaut. Aura qui ranime le personnage une seule fois avant qu'il s'évanouisse. Temps de recharge. Effet réduit PV 60%. C'est pas mal.
pas mal. Ok, donc c'est de toute façon c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher chez les Nopons. Enfin, chez les marchands. Ouais, mais la colline 9 elle part super loin en fait. C'est ça. Fais le saut au-dessus. Bien joué. Ah, c'est vraiment chiant qu'on puisse pas sprinter. Hein. Il me semble que dans le 2 on peut, non? Je suis pas certain non plus. Il me semble que c'était un défaut. Ok. Comment il y a des têtes à tête qui ne sont pas encore disponibles, quoi. Dans cette zone. Le niveau d'entente actuel est trop bas, mais c'est super. On s'aime. On s'apprécie. Allez, où? Là-bas, il y a une quête. Il y a une arène. Entrée principale. Bah voilà. Salut. Ah oui, mais elle est défoncée. Faut la reconstruire. Voilà, enfin, Otharon voudrait vous demander quelque chose. Il a l'intention de reconstruire la colonie 6 avec les autres. Il attend donc l'arrivée des habitants du camp, mais le pont de Ragel est bloqué par des monstres. Je reconnais que c'est gênant. Ricky a peur, Ricky tout biscuite face à un problème énorme. Du calme, Ricky, en gardant la tête froide, on y arrivera. Ce pont est le seul moyen de ramener les réfugiés. Tout le monde est coincé, les travaux sont au point mort. Vous voulez bien nous débarrasser de ces monstres? Mais oui, 8800, oh ben c'est trop bien ça. Acceptons. Merci, vous devez libérer le pont. Après quoi, il vous faudra prévenir Juju au camp, je resterai ici. Nous commencerons par les travaux quand tout le monde sera revenu, je compte sur vous. Mais c'est parfait ça. Mise à jour de quête, nouvelle machine à gemmes. On s'en fout, colonie 6, nous voilà. Suivre cette quête. Et où c'est qu'il faut que j'aille? Mise à jour sociogramme. Si je pouvais avoir l'info. Ça doit pas être ici, hein. Carte. Ah, c'est à la jambe. Et ça se situe où exactement? On n'a absolument pas exploré, hein. Je suis en train de me rendre compte de mes lacunes. Mes lacunes d'exploration. Camp des réfugiés. Stèle de Kamos. Voilà. On va aller à la stèle. Je n'ai absolument pas exploré le jeu. Il est 6 fois plus grand que ce que je pensais. Et on va vraiment explorer dans ces prochains épisodes. Donc si vous aimez Xenoblade Chronicles et vous m'en vouliez de ne pas avoir exploré, eh bien nous allons le faire. Ben voilà, Testude des montagnes, on va pouvoir se le farcir maintenant. Non? Allez. Enemies weak, but don't drop your guard. On s'en fout. On le défonce. Voilà. Peut-être gagner 20 XP. 64. Et très bien. Easy monsters. C'est pour ça qu'ils sont en noir, ils sont easy monsters. Mais c'est pas grave, c'est bien. Bon, ça c'est des 13. Bon, est-ce que les... Ah! Bonjour. Mais non en fait. Bon, pour essayer. Si on le tue, on va sauvegarder, on va essayer. Niveau 82, ça me paraît beaucoup quand même. Vous savez, on est 3, tout ça. La foule de la jeunesse. On va se faire éclater en un coup. Ah non, même pas. Par contre, on lui fait zéro dégâts. Hein. Ok. Ah si, voilà, on s'est fait éclater en un coup. Ouais, mais non, on va faire le combat en fait. On va faire le combat, hein. Make a run for it. Si, 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 on se barre. On se barre, voilà, on se barre. Très 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 mauvaise idée. Hein. C'était très la mauvaise idée. Alors, on va faire un petit détour, regardez, on a une quête. Point d'exclamation rouge là dans le petit ruisseau, enfin la petite grotte. Nous allons faire un petit tour.
Mais je vous disais justement, pour ceux qui aiment Xenoblade, du coup, nous allons y aller. Et ça va être cool. Nous allons pouvoir faire pas mal de missions secondaires, donc j'espère que ça va vous plaire. Chose que je n'ai jamais fait finalement. Vous voyez? C'était dommage. Ah, je peux y aller direct en minant ça en fait. Non, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Make a run for it. Mais pourquoi il y a ça? Ah, voilà. Je vais vérifier, c'est un jument normal, il n'y a rien de spécial. Ok. Jusqu'à ce qu'il y ait un monstre qui... Non. Ok, en fait, on peut juste... se barrer par là, normalement. Voilà. Ah, peut-être pas. On remonte pas à la même hauteur, j'ai l'impression. Flûte. Ah si, ça va. Ça devrait le faire. Ah mais si, c'est les Mekons. On s'en rappelle, c'est les Mekons qui nous ont défoncés. On s'en rappelle. Bah oui, mais vous nous attaquez pas là. Et oui, on s'en rappelle. Je vais juste me venger. C'est juste par vengeance. Mais vraiment par vengeance, hein. Voilà. C'est par vengeance. Ah, ça c'est une quête. Eh ben, on va y aller. On va y aller. Ok. Boum. Ok, il fallait en tuer 5. Ça devait être une quête. C'en est une, ça. C'en est un, ouais. Salut. Et boum. Merci d'être venu. Il nous résiste un petit peu plus, hein. Non. Ok. On va s'arrêter là pour cet épisode. Mais dans le prochain, nous continuerons bien évidemment nos missions et nos missions secondaires. Ah oui, c'est les monstres qui bloquent le pont. Niveau 30. Et ben on fera ça dans le prochain épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.